Face à l'opposition des riverains, la direction avance un enjeu écologique. Ce réseau de chaleur permettra de produire une énergie constituée à 84% d'énergie renouvelable. Ce sera l'un des réseaux de chaleur les plus vertueux en France. Il permettra également d'éviter l'émission de 35 000 tonnes de CO2 par an. La chaufferie Californie est complémentaire de la chaufferie bois de Malakoff. Ces deux chaufferies vont permettre de substituer plus de 380 chaudières individuelles réparties sur le territoire nantais et qui sont elles alimentées par des énergies fossiles. Herrena promet ainsi la stabilité des prix de l'énergie et donc des factures. Il faudra attendre 2019 pour le lancement de la chaudière bois.